ceux qui ne connaissent pas Sleeping Dogs et qui êtes des anciens gamers, vous devez connaître True Crime, Sleeping Dogs et True Crime 3. En fait, True Crime 2 s'est tellement cassé la gueule que quand ils ont fait leur True Crime 3, ils ont dit si on l'appelle True Crime, ça va pas se vendre parce que personne n'a aimé le 2. Donc, on va changer de nom. Il y a de la vie. Regarde, pensez à FF15 où c'est creux et vide. Et regardez-moi, il y a plus de vie dans ces petits blocs et que c'est plus réaliste que la plus grosse ville de FF15 s'appelle Lestalum. Voilà, et c'est magnifique. Ça, pour l'époque, un système de combat aussi immersif, aussi bien foutu dans un GTA-like. Parce que le truc, c'est que les GTA-like sont toujours dégueulasses. Même GTA V, le combat au corps à corps est dégueulasse. Ça s'enchaîne à un ou deux coups de poing extrêmement mal animés. Et là, on a du kung-fu et du karaté. Avec des décors cassables, avec des arrêts sur image, avec des trucs très John Wick. On a un kiff d'enfer dans le système de combat qu'on n'a pas dans GTA. Là où GTA reste sur ses acquis et refuse de se moderniser ou d'apporter un peu de fraîcheur, là on a vraiment un truc génial. Ah, c'est ça, c'est sur Brillance Rouge. Voilà. Et il y a des kills environnementaux. Et plus de narration. Il y a eu plus de narration aussi dans ces 5 minutes que dans l'intégralité des FF15 aussi. Voilà, voilà comment on fait une ville vivante. Et Square Enix sait le faire. Mais pas dans FF15. Regarde, on est à Paris 13ème quoi. On est vraiment totalement dans Paris 13ème à côté de chez Tank Frère. Reflets, regarde les reflets, comment ils ont bien vieilli dans l'eau. C'est magnifique. Les mouvements sont magnifiques. Bon. Regarde comment c'est magnifique. Regardez comment c'est propre, comment c'est magnifique. Ce premier quart d'heure de Sleeping Dogs. Ça envoie plus que du poulet, quoi. On pourrait même dire que GTA est un très bon Sleeping Dogs-like. Enfin, un moins bon Sleeping Dogs-like, pas trop terrible, mais qui s'en sort avec les honneurs, quoi. Ah ! Regardez-moi comment c'est magnifique. Ça ne semble pas que j'ai beaucoup de choix. Non, non, vous n'avez pas. Now see yourself out. Permission to speak freely. Denied. Ah, c'est autre chose que 4 J-Squad qui poussent une bagnole dans un désert. Regarde la ville, comment elle est riche, comment elle est développée, comment elle est belle, comment elle est vivante, comment elle est incroyable. Et première chose à faire, on va aller voir madame pour un petit massage. On va pas à Hong Kong sans un petit massage, quoi. C'est quand même entre deux boulettes de viande. Tu peux prendre du plaisir dans la conduite. C'est ça qui est dingue. Tiens, regarde, rien que le virage, là. Tu prends plus de plaisir que dans l'intégralité de la conduite de Watch Dogs 2. Regarde, elle est magnifique, là. Magnifique. Ça change de la conduite de FF15, quoi. Pourquoi j'ai une casquette avec un Tampax sur la tête? Je m'en rappelle plus. Non, elle est très bien, la conduite. Elle est très, très bien. Elle est fun, elle est intéressante, elle est péchue. Il y a une bonne sensation à la conduite et je suis avec un vieux van. Oula, les sacs de blé. Merde. Voilà, j'ai dit trop de bien en fait de la conduite. J'ai l'air d'un con moi demain. Putain, $1240 hongkongais. Quelqu'un peut regarder, ça fait combien en euros? $1240 hongkongais, ça fait 150 euros. Eh, quand même, hein. Bon, elle était bien roulée, tu me diras. Mais un peu moins cher qu'une Switch, c'est pas mal. Je peux me battre avec un sac à main? Par contre, je sais vraiment pas comment ils font pour se reconnaître entre bandes. Non, c'est pas parce qu'ils sont asiatiques, hein, parce qu'ils se ressemblent tous. Mais voilà. Et là, c'est beaucoup mieux fait que dans Mafia 3. Ou c'est juste ridicule dans Mafia 3, tu me diras. Et un héros qui sait nager. Pas comme dans FF15. Et regardez-moi la qualité de cette flotte! Regardez-moi la qualité de cette flotte et comparée à l'eau à Gladonia de FF15. Ce jeu met tellement une bifle à FF15. Et là, on a un petit côté Need for Speed. On va pas piquer des hannetons. Je suis pas sûr qu'un flic ait le droit de faire ça techniquement, mais il le fait, donc bon. Il y a une tactical unit là qui arrive là. On va leur tacticalisationner l'anus, t'inquiète pas. Réquisition de la police.
Ouais, par contre, ce qui était drôle, c'est qu'il sortait son casque de ses fesses à chaque fois. Et tu peux faire des une roue, quoi. Tario! Wouhou! Wouhou! Magnifique. Là, vous pouvez mettre le générique de Chips sur YouTube. Pour ceux qui connaissent pas Chips, c'était une des meilleures séries policières avec... où on suivait le... deux policiers en moto aux États-Unis. Superbe, superbe série. Par contre, je sais pas, il a combien de casques dans son cul, parce qu'à chaque fois, il les abandonne. Les filles dans ce jeu sont très très bien représentées, je trouve. Ok, tu faisais partie des méchants, d'accord, mais pourquoi t'attaquais pas? Oh là là! Oh là là, je suis désolé pour ta tête! Carrément, comme ça? Vas-y, mets tes menottes et va-t'en. Et j'adore ce truc-là. Il n'y a que Wei Shen qui arrive à faire ça, c'est magnifique. Oh, il est tombé à la Senseiya, le mec. Je suis pas sûr que je suis obligé d'être aussi méchant, c'est juste des élèves, les mecs. C'est juste des élèves, ils apprennent le Kung Fu, quoi. Regarde, le mec, il vient de sortir de sa partie de League of Legends, quoi. On se bat même plus sur le tata... Oh, le trichot. Je sais pas si c'est des élèves, quoi, sérieux, Wei Shen. Je sais que t'aimes bien te battre, mais... Regarde, le mec, il sait même plus comment il s'appelle. Il est parti, il est en train de chercher ses dents. Regarde, regarde, waouh. Allons dans là. C'est bon, tu fais un dab. On déconne pas avec Wei Shen. Tiens, je me tape un coup de poisson, moi. Vas-y, c'est ma name. C'est ma name. Tiens, un rouleau de printemps et un macro dans la gueule. Aouh. Putain, mais qu'est-ce qu'il frappe lentement avec ce poisson? Tu peux pas frapper plus. Je les ai déboîtés au macro. Oh putain, j'ai plus beaucoup de vie, moi. Je peux pas manger le poisson. Attends, si je suis chinois, je devrais pouvoir le manger cru, quoi. Et ça me redonnerait des vies, du feng shui et... et me remonter le yang. Il y a assez de je crois qu'il y a assez de chiottes pour tout le monde, là. Mais... voilà, magnifique. Allez, tous, lavez-vous la tête. Il est énorme, ce Sleeping Dogs est juste somptueux. Il a extrêmement bien vieilli, il est juste somptueux. Et de foot gratuit, c'est juste superbe. Ils ont prononcé leur prénom à chaque fois qu'ils ont tapé le carrelage. Ting, tong, tong, tong. Même si c'est Frank Game qui m'a développé, moi c'est ma femme qui me développe généralement. La 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 la. Ah! Oh, pas mal. Mexicain, tu sais? Un petit tabouret mexicain. Bourrette espagnole, tabouret mexicain ou le missile nord-coréen. Ah, le missile nord-coréen, c'est pas mal aussi. Alors, je veux bien que je fasse semblant d'être bourré, mais comment je peux faire semblant de vomir? Oh, il aurait pu dire « Ok, I'm on my way ». Tiens, quand j'ai un coup. Il a un peu de mal avec le pathfinding. Hein. Tu iras bien te voir... tu iras bien connaître ton ping. À combien tu montes? Je m'en souviens de ping, je l'avais kiffé aussi à l'époque. C'est un des rares ping à aimer les très très gros ping. Alors que d'habitude on cherche à avoir le plus petit possible. Ah bah voilà, lève-la le coup. Oui, ouais, c'est des élèves, calme-toi. Putain, mais c'est quoi cette coupe? Faut vraiment que j'aille me couper les cheveux ou je me coiffe, parce que là je ressemble à un bobo du 14ème, quoi. On dirait Danny Caligula, quoi. Oh, je lui ai explosé la coucougnette droite au moment où il allait se lancer sur moi. C'était magnifique, en plein vol. On a entendu l'implosion jusqu'à Shanghai. Excuse-moi, madame, c'est absolument pas toi que... quoi, je t'ai tué avec deux coups de poing, non mais... abuse pas non plus. Tiens, crame un peu, toi. Bon petit nem bien carbonisé, là. Il manque juste un petit peu de salade et un peu de sauce aigre douce. Et un petit rouleau de printemps, ici. T'es prête? Tayo!
Ouais, ou jeter le couteau. C'est. C'était incroyablement bien joué, sauf que je m'y attendais pas du tout à faire ça en fait. Et ça, c'est juste génialissime. Bah, toujours après un bon, une bonne petite nuit de sommeil pour bien se réveiller. In any case, you did well. I want to show you my gratitude. Uncle Poe, there's really no need. Don't argue with me. J'adore. You know Roland Ho? He has a business collecting. J'adore Oncle Poe. That should cover my debt. Don't hurt me. Ah! Wasn't gonna do anything that bad. You got the money? C'était quoi le I'm sorry. Got a car loaded with dope. Look, I Do you have any idea what's going on? What happened at the warehouse? Raymond, do you ever actually read my reports? Your reports? All I have to do is read the goddamn newspapers. They're calling it a massacre. Je peux pas le toucher d'ici. Ah si, j'ai pu. Oh putain. My wedding is going to be perfect, you hear? Putain, les nanas et leur mariage. You want this cake? You're going to have to pry from my dead fingers, you hear? Cette scène de fou. C'est chiant, hein, on se retrouve demain. J'adore les insultes en chinois. C'est tellement dépaysant, c'est tellement rafraîchissant. Oh la pauvre! Elle a rien demandé, elle voulait juste démarrer la course, quoi. Ah ouais, d'accord, je comprenais. Oh merde, je vais trop lent! Non! Police, you're under arrest. Good thing you showed up. Ah, ça change des flics français, hein. Oh, oh oui. Oh, magnifique. Magnifique. Avec des super scènes, regarde. Il y a plus d'ambiance dans cette scène que dans l'intégralité des FF15. Oh, are you okay? Can you walk? What's going on? What happened to Winston? Okay, come on. We gotta get you out of here. Elle est trop classe cette scène. Hein? Bah, je suis infiltré, faut bien que j'infiltre aussi les filles. Ne me jugez pas! Hein? J'ai la classe comme ça? Ne me jugez pas. J'ai perdu quelque chose dans mon sac à main. Mais pourquoi vous m'agressez? Pourquoi vous m'agressez? Ça y est, les préjugés. J'ai pas le droit d'être. De choisir mon orientation. Oh! Oh, ce combo! Ce combo breaker. Oh ça. Waouh, ça fait mal. Oh, il était magnifique ce coup. Je l'ai eu. Oh, tir à la tête, t'es sérieux? Oh, c'est tir à la tête magnifique. Meet Mrs. Chu, Winston's mother. Osama! I don't know what this guy told you! Fuck! I don't know what you're talking about, you crazy old bitch! Please! Wait, 你現在應該走. Wait, wait! Don't leave me here! She's fucking crazy! Okay, okay, I'll tell you anything you want to know! Et ça c'est la. Et ça c'est la première partie, vous allez voir la suite. Oh là c'est la guerre urbaine là. Guerre civile. La guerre entre les gangs je veux dire. Guerre des gangs, voilà, c'était le mot que je cherchais, la guerre des gangs. Le guerre des gangs. Le La guerre des gangs. La guerre des gangs. Encore, changement de gameplay. On est en automatique. Conduite automatique. Et on allume tout. Et voilà, ça c'est magnifique. Tu vois, il y a un petit passage comme ça sur FF15 avec Ignis qui conduit automatiquement la voiture et Prompto qui tire au flingue sur des ennemis qui veulent nous tuer, des soldats. Mais non, non, c'était trop inventif, c'était trop difficile. Mais la voiture, elle explose pas, c'est quand vous voulez la voiture. La voiture, s'il vous plaît. Merci. Attends, viens par là. Je sens que ça va être bon là, les pics là. Oh oui. Oh, c'est horrible. Oh, c'est encore plus horrible. Ah, c'est horrible. Non, excuse-moi, j'ai pas vu la porte. Excuse-moi, j'ai raté la porte, elle était pas assez grande.
Oh, deux voitures en un chargeur, magnifique. Trois voitures en un chargeur, magnifique. Ah, oh, regardez-moi cette scène, elle est magnifique. Sit down and shut the fuck up. Jesus, I haven't been here in fucking years. Sammy, 为咗你一路开住个厨房，你睇我留埋啲骨喺里面。 你中意啊嘛，系咪啊？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 系咪
Merde! Oh genre, avec l'ombre à travers la fumée, la mise en scène est juste somptueuse. Mais surtout que tes épisodes sont géniaux, t'arrives à un commentary continu pendant au moins 2 heures sans jamais être fatigué, c'est toujours aussi génial. Ah bah merci, merci. Tu sais, j'ai fait un commentary de 24 heures d'affilée quand j'ai fait FF14. Quand même des gars qui m'ont dit « Ouais, t'es nul, tu fais crager, t'as une voix nasillarde. » Je fais « Écoute, moi quand j'écoute ma voix, je suis amoureux de moi-même, je deviens presque gay. » Alors je sais pas où t'as vu que j'avais une voix nasillarde. Puis de toute façon, je te bannis. Puis je l'ai banni. Le jeu, il est un poil bugué. Juste un petit poil, hein. On est d'accord. Ok, c'est vrai que tu es narcissique. Oui, totalement. Mais tout le monde est narcissique. Enfin, tout le monde devrait être narcissique. Depuis ma naissance, ma mère et ma grand-mère ont dit « T'es le plus beau, mon fils, t'es le meilleur, t'es le plus important, t'es le plus beau. » Et on dit que sa mère, notre maman, a toujours raison. Pourquoi j'ai plus de son ? D'accord. Notre mère a toujours raison. Donc, moi, je suis d'accord avec ma mère. Je suis le plus beau. Je suis le meilleur. Hey, it's Wei. I need a car. A car? Takla! I'll be there right away. Hein? Il y a de l'orage au-dessus de ma tête. Plus jamais je fais appel à un voiturier. Oh, il y a eu un bug de physique, mais monstrueux. Énorme, trop fort. Ah, ça m'a... Ah, il y a un bug de physique avec le lance-grenade, mais... méchant. C'est vrai qu'il a un sacré petit cul comme ça. Pardon. Je pourrais te tuer même juste avec ma bite. Ah, c'est horrible, il y a des morceaux de cervelle et tout. Merde, merde. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire ça, dis donc. Que je pouvais sortir du pare-brise. Merde. Ah non, c'est Wotang. Ah, j'adore cette scène, elle est monstrueuse. Your friend Jackie didn't think so. He was most loyal. But then, I expect you wouldn't have told him anything. That's what worries me, Wei. You're one of them. Ouais. Oh, la coup de perceuse dans les jambes, c'est... Bon, après tu me diras comment il peut marcher après un coup de perceuse dans les genoux, mais bon, c'est pas ça après. C'est Wei Shen, quoi. Il a juste un peu mal, tu vois, il a un peu de mal à se lever, quoi. C'est pas... ça va encore. Et là, je suis en mode Rambo, là. Je suis en mode Force Blood. Ou Die Hard. Die Hard aussi, ça marche aussi. Allez, viens, je vais faire des petits classons de toi. Ah, oh, il passe entièrement. Ah, c'est puissant le machine à glace, ça fait que casser des glaçons. Qu'est-ce que j'ai une attaque cardiaque, qu'est-ce qui se passe? Yeah! Sleeping Dogs Terminado! C'est un putain d'hommage à Opération Dragon et au film de Bruce Lee, je trouve. Juste cette intro. Et là, attention. Ouais, le méga zoom dans les yeux, et ça c'est génial. Ah, mais c'est trop Opération Dragon. Ah, et en plus je suis habillé à la Bruce Lee. Bon, c'est vraiment le pastiche d'Opération Dragon. Ah, c'est vraiment Opération Dragon. Avec la musique et tout. Quoi, tu peux me donner... T'es pas obligé de gueuler, je suis juste en face de toi. Aïe, 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 ça fait mal. Ouais, super hommage à Bruce Lee, magnifique.
Il manque juste un petit. Oh! Oh putain, le... même la quête du thé là, elle est plus intéressante que l'intégralité des quêtes secondaires de FF15. Tu Taishi? Hey, leave my pepper alone! Ah le. L'easter egg, leave Britney alone! Magnifique, magnifique. C'est toi qui as lu Pepper? Oh, yes! Et les fins clichés, comme dans les bons vieux films. Excellent. Ah, oh, j'ai été dégradé! J'ai été dégradé trop fort. Inversion de Super Flick où j'ai plus quoi là. Il y en a qui disent ouais, mais tu juges que par les graphismes. Non, mais un jeu moche peut être beau graphiquement. Comme un jeu beau peut être moche graphiquement. Wait for the bomb squad! Wait for the bomb squad! What? No time, dispatch. This thing's gonna go off. That's a direct order. Yeah, well, it's a stupid order. C'est vraiment monté comme un super. Super film. C'est vraiment monté comme un super film d'action. C'est vraiment génial. On va encore me refoutre à la circulation avec tout ça. C'est pourtant pas compliqué de faire des bons films d'action, hein, mais non, tu sens que les gens ils y arrivent pas. Hein. Il reste quoi? Il reste Fast and Furious quoi qui fait des bons films d'action et c'est une des rares licences qui arrive à sublimer un peu le cinéma quoi. Sinon, il reste plus grand chose quoi. Ah, ça va, il a l'air de ressembler. T'es en train de te faire kidnapper par un passant! Sylvia, continue de parler. Ah merde, mais non, mais je veux pas le tuer! Je te protège, t'inquiète pas. Voilà. Merci. Ah, le pauvre qui s'est mangé. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ces DLC et quêtes annexes, quêtes bonus. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.